sit up in the park with the setting sun. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sous la pluie. Au commentaire, Hervé Matou accompagné de Pierre Ménès. On est donc en Allemagne aujourd'hui pour cette rencontre de DFB Pokal, la Coupe Nationale Allemande. Un match comme on les aime, Pierre. Oui, une rencontre qui permet de s'évader un peu du championnat, comme toujours dans une coupe. Les équipes en difficulté au classement voudront faire oublier leurs mauvais résultats ou faire des choix d'effectifs pour ce match. Composition d'équipe qui ne laisse planer aucun doute sur les intentions de l'entraîneur. On va chercher à presser pour récupérer un maximum de ballons. Et pour bousculer l'adversaire en permanence surtout. C'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon, mais c'est aussi de bien jouer dans cet esprit-là quand on ne l'a pas. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. Et le schéma retenu par les deux entraîneurs est identique. Oui, un 3-5-2 face à un 3-5-2. Donc du coup, la clé du match sera certainement la capacité qu'aura une des deux équipes à passer dans le dos de la défense adverse. Hervé, t'es scorpion, c'est ça, je crois? Oui, scorpion, pourquoi? Et pourquoi tu me poses la question? Non, pour savoir, parce que moi, je suis cancer. Ah! Ouais, c'est intéressant. Et pas terrible le match quand même, là. Ben non, c'est pour ça qu'on parle d'autre chose. Ah oui. Sébastien Jung. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Marvin Bacalors. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Sortie de but. Alors comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens, il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Et le ballon qui change de camp. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Il faut trouver une option disponible. Attention à la frappe. Ouais, son tir est raté. Faute au terrain sans doute. On cherche des solutions là. La mise en touche dans le camp adverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut trouver l'ouverture. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh non! Oh, c'est pas possible! Quelle occasion! Quelle occasion il avait là de prendre l'avantage aujourd'hui! Ouais, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, ça reste ouvert. Marvin Bacalors. Guidetti. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Marvin Bacalors. Sébastien Jung. Alors, le ballon est perdu. Oh, il y va tout seul. Le gardien qui repousse, attention. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Chercher une ouverture, bien sûr. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Qui est sorti, ça va être une sortie de but. On va voir cette occasion où le gardien n'est pas malheureux, vous allez pouvoir le constater.
Ouais, très bien pris. Allez, il peut prendre l'espace là. Il cherche une solution. Attention à la frappe. Le défenseur. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Non, elle est interceptée cette passe. Il s'avance vers la surface. Le ballon qui change de camp. Le ballon rendu à l'adversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Pas mal le pressing de cette équipe. Touche. Allez, il a de la place dans le couloir. Cherche une solution là. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. C'est dégagé. Contre-attaque peut-être. Il avance balle au pied. Il essaye de trouver la faille. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ballon qui sort en touche après cette déviation. Sébastien Jung. Ouais, il est en bonne position là pour centrer. Et le danger qui est écarté. Et la défense qui va pouvoir souffler. Va-t-il parvenir à centrer ? Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Corner, belle occasion de prendre l'avantage pour cette équipe. Cette équipe qui peut profiter de ce corner pour mener au score. Et ça, les supporters l'ont évidemment bien compris. C'est peut-être qu'il manque le cadre assez largement. Ouais, il l'a joué comme un peu comme il l'a pu. Il était bien pris au marquage. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. C'est bien donné dans l'espace. Attention. Ah, ça vient frôler la transversale. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Voilà un joueur qui, dans ce match, n'a pas vraiment le rendement escompté, hein, Pierre. Disons qu'on assiste à un match qui aurait déjà pu tourner à l'avantage de son équipe s'il s'était montré un peu plus entreprenant face au but adverse. Ça manque d'envie, tout ça. Hein. On retrouve les joueurs de ce match de Coupe d'Allemagne. Oui, la pause est terminée. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, faute évidente. Tacle impeccable, ce sera une touche à suivre. Dominique Kaiser, Aragucci. La passe est coupée, et bien défendue. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah, la bonne inspiration sur cette passe.
Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Avec ce but, on revoit, eh bien, ils sont en train de les déstabiliser. Ils s'attendaient à être complètement balayés, mais maintenant, voilà que c'est eux qui mènent à la marque. C'est incroyable. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Guedetti. Très mal donné, hein, ce ballon. En profondeur, oui, bien vu. On peut trouver une option disponible. Mais le gardien qui n'a pas trop à s'employer, hein, sur cette action. Ouais, il cope facilement cette tête. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Oh, que c'est bien mené, ça. Ouais, c'est bien dosé, ça. Il prend sa chance. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. La puissance, la détermination, la lucidité aussi, tout était réuni pour que cette action aille au bout. En plus, le gardien a été un peu lâché par sa défense. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Haraguchi. Il y a faute là, c'est évident. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ouais, superbe ce geste défensif. Attention, le bon pressing. Ah, le bon pressing chez l'adversaire qui permet de récupérer ce bon ballon. Ah, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Changement de possession. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. L'entraîneur qui tente un changement technique. Pour essayer d'échapper à la défaite, l'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. C'est qu'il va dans l'espace et c'est cadeau. Interception. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ils ont continué à progresser. Attention, et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. John Guidetti. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est moins qu'on puisse dire. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Il cherche des solutions là. Ça ne sera pas facile à capter comme ballon. Il essaye de trouver la faille. Il cherche une solution là. Elle frappe contrée par le défenseur. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il a
tout le couloir devant lui. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Le ballon qui file en touche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Cette fois, c'est raté. Mais s'ils peuvent gratter encore un but ou deux supplémentaires, ils vont pas s'en priver. Marvin Bakalors. Dominique Kaiser. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Il faut trouver le tir. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Oh, que c'est bien donné ça. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Dominique Kaiser. La fin du match ici à l'instant et le score final 2-0. Les joueurs qui remportent donc ce match de coupe, qui vont pouvoir continuer leur belle aventure. Je crois même qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux pendant cette compétition. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match, il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but, c'est toujours bon pour la confiance.